Ouais, s'afficher, voilà. Allora, stiamo iniziando la registrazione, Marina. Se vuoi velocemente ripartire e presentare, così anche per chi trova il video su YouTube è più facile. Ok. Alors, on commence ce deuxième webinaire de notre projet. Et ce soir, on devrait beaucoup faire parce que le thème est travailler à distance avec les twinning. Donc, une petite introduction qui sera dans ce PowerPoint, dans ce diaporama. Mais surtout, je voudrais avoir le temps de vous présenter des outils TIS. Et donc, voilà, on commence tout de suite. Alors, travail à distance et twinning, évidemment, permet le travail à distance, vous le voyez déjà. Et je profite juste d'une parenthèse pour dire que par rapport à la tâche du premier webinaire, je vois que quelques collègues ont terminé, ils ont fait ce qu'on avait prévu, et d'autres pas encore. C'est-à-dire que il n'y a pas trop de monde qui ait inséré son avatar ou sa photo de profil. Et surtout, vous verrez ça, j'ai mis ce conseil dans la page qui concerne ce webinaire de ce soir. Il y a des collègues qui ont créé, il y a quelqu'un qui a créé une autre page. Qui s'intitule Manipuler les tunings. Alors déjà, on le verra ce soir, manipuler les tunings, ça ne veut pas dire le faire au hasard. Il y a des pages, les pages doivent être, disons, respectées, parce que sinon, c'est vraiment de n'importe quoi, c'est le chaos dans l'espace virtuel. Je vous prie de bien vouloir voir les conseils d'utilisation du TeamSpace et les tutoriels qui se trouvent, qui sont déposés dans le TeamSpace, parce que notre projet doit de quelque sorte déjà anticiper, avancer le travail qu'on pourra faire avec des élèves. Et en ce qui concerne le projet Erasmus que nous sommes en train de mener, ce sera notre lieu de travail et l'outil qui sera même évalué par l'Agence nationale. Donc, le travail à distance se fait par rapport au TIS. Et il faudra se poser quelques questions sur les TIS. Le plan de mon intervention de ce soir, donc l'introduction, c'est-à-dire les objectifs et les enjeux. La technologie et la pédagogie, quels sont les rapports, la typologie des ressources TIS, quelques outils et une conclusion qui proposera des pratiques. Alors, l'utilisation des TIS dans les twinning, comme on l'a dit plusieurs fois, est tellement importante qu'il faut se rendre compte que efficacement, l'utilisation efficace des TIS rend valide la méthodologie de ce que de les tunings et ce que nous faisons. Les TIS sont intégrés en tant qu'outils d'utilisation, aident à l'amélioration de l'enseignement. Sinon, ça n'aurait pas de sens, ça n'aurait pas de valeur. Elle serait complètement inutile. Et les fondements pédagogiques de cette utilisation, on peut les retrouver dans cette phrase qui est une citation de De Pover, Giardina et Marton. L'architecture d'un environnement d'apprentissage multimédia interactif repose sur quatre fondements, des piliers qui en garantissent les assises pédagogiques. La communication, la sémiotique, l'apprentissage et la systématique, et la systémique. Alors, en ce qui concerne un projet twinning, évidemment, la communication est très importante et les outils TIS qui concernent la communication sont nombreux, on les verra.
La sémiotique, qui est la science de l'organisation des signes, donc constituant les messages, et concerne l'audio, les images donc, le bruit, la musique, le visuel, et la parole et l'écrit. Par rapport à l'apprentissage, le message est très important, car tout gravite autour des messages. C'est à partir des messages que l'apprenant pourra apprendre en manipulant. Donc, toujours dans une optique pédagogique. Le Twin Space permet aussi d'analyser le processus d'apprentissage, parce que le Twin Space, comme on le fait nous qui travaillons dans ce projet, permet de suivre, de voir une sorte de journal de bord continuel, une sorte d'observation en continu des parcours d'apprentissage ou de l'évolution des élèves. Et dans ce cas, ça permettra l'observation de l'évolution de notre projet. L'éthique, donc, sont des moyens qui permettent d'acquérir des compétences de communication. Un travail collaboratif et notamment à distance, exercer un sens critique face au flux d'informations et apprendre à utiliser des logiciels et des produits multimédia pour développer et approfondir des savoirs disciplinaires. L'objectif de ce que nous sommes en train de faire n'est pas seulement, comme on l'a déjà dit, de travailler pour nous dans ce projet, mais d'apprendre à faire des choses pratiques dans un objectif pédagogique qui sera l'objet d'une nouvelle pratique de classe. Les outils, donc, permettent essentiellement la communication, mais la communication, c'est paradoxal parce qu'on peut penser que les TIS sont sont froides, c'est quelque chose de très froid. Au contraire, elles permettent d'établir la communication. Et la communication, c'est la relation avec autrui. On transmet quelque chose à autrui ou à un groupe de personnes. La communication désigne une bonne utilisation aussi d'outils techniques. Et dans le cadre d'un enseignement, ça devient important d'introduire dans l'éthique l'aspect empathique de la communication. De façon que chaque outil, on le verra, que chaque outil ne soit jamais utilisé en tant que technologie, parce que ça deviendrait dispersif, inutile et même dangereux pour la pratique d'apprentissage. Comme on l'a dans notre projet, nous avons des outils qui permettent une communication en synchrone, donc le chat, le tableau blanc, la visioconférence, mais aussi des outils qui permettent la communication en asynchrone. Et ici, dans un Twin Space, le forum et les billets de blog permettent la communication en asynchrone. La communication en asynchrone doit être réglée, on le verra, doit avoir comme toute communication, doit avoir comment dire, des consignes précises. Par exemple, dans le forum, il est très déconseillé de créer plusieurs fils de discussion, il faut continuer, et puis il faut répondre, utiliser le forum dans un objectif précis, pour dire quelque chose, pour transmettre un message, pour communiquer quelque chose. Parce que ça ne devient pas intéressant de lire et de chercher un message dans tout ce qui est froid, inutile, disons. De la même façon, on le verra dans le prési que j'ai préparé pour les outils, pour présenter les outils de présentation doivent être ciblés. Alors, si on devra présenter une idée,
on choisira le bon outil. On choisira celui qui est, disons, pour nous le meilleur pour présenter cette idée. Et surtout, il faudra bien connaître cet outil. Inutile de choisir quelque chose qu'on trouve intéressant, qu'on trouve performant, qu'on trouve même très efficace, mais qu'on n'a jamais manipulé. La manipulation devrait se faire dans un moment précédent et jamais quand on le fait en classe, au moment où on présente l'outil aux élèves. Et dans notre cas, on devrait choisir de accomplir la tâche qui nous est proposée en choisissant ce qu'on est capable d'utiliser. La partie que vous voyez dans cette slide du diaporama est théorique. Je vous la laisse parce que elle pourra être intéressante pour une réflexion successive sur la pratique de l'intégration des TIS. Il y a aussi une vidéo, mais je ne veux pas trop en parler parce que la théorie, maintenant, ça va devenir, comme on l'a dit, lourde. Et je préfère me concentrer dans le temps que nous avons à la présentation des outils. En effet, l'objectif est pour les unis, de renforcer la collaboration entre les élèves. Dans notre cas, il faudra renforcer la collaboration parmi nous, ce qui ne se fait pas trop dans notre groupe, parce que je vois qu'en effet, on n'est pas trop nombreux pour le moment à travailler de cette manière. Il faudra, j'espère, s'y mettre un peu plus. Ce n'est pas un accessoire, comment dire, on n'a pas choisi les tuniques dans notre projet pour que on fasse quelque chose de nouveau. On l'a choisi parce que ça permet effectivement une collaboration très forte, un échange important et un enrichissement réciproque par rapport aux matériaux que chacun de nous déposera. À ce propos, je vous conseille de créer des dossiers dans l'espace documents, un dossier pour chaque collègue, nom, prénom, et à l'intérieur de chaque dossier, chacun déposera, enregistrera ses images, ses vidéos, ses fichiers pour que ce soit rationnel, pour que ce soit clair et pour qu'on retrouve le matériel d'ici à la fin du projet. L'image que vous avez ici dans cette slide est une image que je vous propose juste, elle concerne les élèves, mais juste pour passer le message que l'important dans un espace virtuel comme celui-ci, c'est de bien encadrer le travail dans une optique logique, dans une optique rationnelle. Et dans le cas, par exemple, du journal de bord, du carnet de bord que chacun de vous présentera à la fin des mobilités, ce sera important et on vous le donnera de bien savoir, comment dire, au fur et à mesure qu'on travaille, qu'on visite, qu'on observe les collègues pendant les voyages et pendant le travail, bien savoir ce qu'on cherche, le noter, prendre des notes de manière, comment dire, abondante, de façon à avoir après le matériel pour créer des fiches assez rationnelles, assez claires, qui seront déposées dans le dossier que chacun de vous aura créé dans l'espace document et qui sera inséré dans le journal de bord collectif qui sera le compte rendu du projet. L'impact des TIS sur les enseignants, évidemment, c'est un impact important.
Pour ce qui concerne les habiletés technologiques, parce que effectivement, on apprend un travail, mais en ce qui concerne la pédagogie aussi, l'acquisition des techniques amène à une réflexion pédagogique et cela permet sans doute d'améliorer son enseignement, d'actualiser ses connaissances et de mutualiser ses connaissances avec d'autres collègues. N'oublions pas que ce que nous sommes en train de faire dans un projet maintenant pour le moment entre nous pourra se faire et devra, j'espère, se faire avec des collègues qui pour le moment sont inconnus et qui se trouvent en France et qui seront peut-être les partenaires de nouveaux projets et qui permettront l'intégration des compétences acquises dans ce projet dans la pratique de classe après, d'ici à 2 ans. L'intégration et l'utilisation d'éthique à l'école a des effets bénéfiques. Alors ici, vous voyez une question. La question, elle n'a-t-elle que des effets bénéfiques? Oui, il y a des études qui ont été menées à propos de ce sujet, mais attention, il n'y a que un problème que j'ai déjà évoqué, la non-maîtrise technique et pédagogique, surtout des outils, par les enseignants, c'est le défi majeur qui risque d'influencer négativement l'enseignement et qui peut être vraiment source de résistance au changement. J'insiste sur ce sujet parce que si, comme vous le voyez, les effets bénéfiques sont énormes, gain de temps, connaissance des enseignants, autonomie des élèves, apprentissage amélioré, apprentissage de l'écriture facilité, et il suffira de essayer hein, pour voir, de tester pour voir que c'est vrai. Par contre, la non-maîtrise de l'instrument, de l'outil, elle risque vraiment de devenir d'être un problème. C'est-à-dire que quand on se lance dans cette aventure, il faut se remettre en question. Comme je l'ai mis ici dans cette petite image, se remettre en question parce que c'est un peu le défaut des enseignants, de nous tous, de ne pas trop le faire, de ne pas se dire je dois apprendre encore, je dois me remettre en question, je ne suis pas capable, il faut que j'apprenne de quelqu'un d'autre. Personnellement, moi, j'ai tout appris des collègues français avec qui j'ai travaillé dans les tunings. Il ne faut pas se décourager, surtout jamais pas, parce que la technologie est pratique, c'est un outil technique, et ce qu'il y a d'important, ce n'est pas la technique, je le répète encore aujourd'hui, c'est la pédagogie. Il y a plein d'outils, il y a vraiment plein d'outils, et ça risque de devenir comme une sorte de danse chaotique. Il y a des enseignants qui se lancent d'un outil à l'autre, qui testent, qui proposent, des fois sans trop savoir dans quel but, sans trop savoir pourquoi. Attention, il vaut mieux d'utiliser un petit PowerPoint et de le faire de manière pédagogique. Les tunings permet donc de créer l'idée, de stocker. C'est un espace agrégateur, c'est un peu un réseau social. Ça permet le travail en synchrone et asynchrone. Ça permet la messagerie. Il y a effectivement comme tâche à la fin de ce webinaire d'aujourd'hui celle d'envoyer un message aux collègues, à quelques collègues ou à un collègue, une collègue qui se trouve dans la liste des contacts du projet. Et l'important, c'est de concevoir l'espace virtuel des tunings, un système dynamique. Et il faut le
Il faut s'exprimer, il faut travailler régulièrement. Là, il faut y entrer un peu, il faut comprendre que poster un message de temps en temps, ce n'est pas dans l'esprit de la collaboration de la communication. L'évaluation du projet sera faite sur la qualité de la communication, sur la qualité de la collaboration. Il y a des projets tuning où qu'on évalue et où l'on voit l'enseignant, le prof qui insère à la fin du projet et les dates le témoignent, tout le matériel et qui le fait lui-même. Donc, comme si c'était une sorte de dispositif de stockage d'activités qui ont été faites. Pire, quand ce sont les partenaires, les deux partenaires qui le font l'un après l'autre. La conclusion, c'est que je vois maintenant un message de Simone qui me dit de mettre les slides, modalités de présentation, je le ferai après, désormais j'ai fini. Les nouvelles pratiques de classe, vous le verrez dans ce PowerPoint que je vous laisserai. Et ici, j'ai préparé un Prezi, qui est donc un outil que je vous conseille d'utiliser, et vous le verrez pour qui ne le connaît pas, où il y a la synthèse de certains outils pour la pédagogie. Je vous laisse aussi une webographie, si c'est le cas. J'interromps le partage, juste pour savoir si vous cherchez s'il y a des questions et pour savoir si vous avez des questions et si c'est le cas, je vous donne la parole. Marina, intervengo io. Intanto ti ringrazio per la presentazione. Volevo dirti che per ora sul Google Doc che ho lasciato come la volta precedente non ci sono domande. Non so se qualcuno voglia intervenire in audio o se vogliono farlo sul foglio Google Doc. Ci sono io che controllo. A te la parola. Oui, merci à toi, Simone. Merci à Françoise qui est intervenue. Alors, les outils, c'est ce qui m'intéressait effectivement le plus aujourd'hui. Alors, la pédagogie. Alors, le message de ce soir est de réfléchir à l'utilisation pédagogique des TIS, en concevoir la valeur, en concevoir l'importance, sans se décourager devant la difficulté pratique. Et j'ajoute aussi que il est pratiquement indispensable maintenant de s'en servir. Et non parce que les élèves utilisent leur portable ou ils ont leur tablette, parce que ils ne savent pas, la plupart des élèves ne savent pas utiliser les outils que nous proposerons. Mais c'est parce que le monde le demande, parce que les compétences des élèves, quand ils seront dans le monde du travail, le demandent. Donc, c'est l'objectif de la journée d'aujourd'hui. Et vous choisirez, à la fin de cette séance aujourd'hui, un outil. Pour travailler avec les TIS. Des technologies comme pour informer, vous choisirez des questionnaires ou autres, ou pour communiquer en temps réel, pour collaborer et pour créer. L'apprentissage par les TIS, je résume, les raisons qui sont listées ici, ce sont des raisons qu'on a partiellement évoquées, mais que tout le monde connaît. Je vais laisser une autre, disons, le numéro 9 vide, parce que chacun de nous
pourrait y ajouter le sien. Et surtout, il n'y a pas de raison pour Marina, moi. scusami, Marina, scusa, ti interrompo un secondo. Tu non stai condividendo delle slide, vero? Sì, sto O sì? condividendo i pregi. Ah, ok. E allora bisogna che tu condivida lo schermo. Non lo vedevate? No, non si vede nulla. Si vede e si sente la tua voce benissimo, molto chiaramente, ma Lo il ritaglio. presi, ecco, Grazie, mi adesso sembra si di averlo vede che si sta fatto. muovendo qualcosa. Ok, va bene, a Scusa, posto, si vede. scusate, ma ero convinta di averlo fatto. Assolutamente. Allora, je reprends le fil. Laetitia, pourquoi pas? Ça, on l'avait déjà dit. Alors, récapitulons. C'est apparemment les tisses ne permettent pas de gagner du temps. Au début, on a l'impression qu'elles soient chronophages. Non, parce que on peut réutiliser les ressources et on peut, grâce à la collaboration avec des collègues, on peut les réutiliser et les partager. Et ça augmente la motivation. Parce que l'interaction avec d'autres est toujours positive. Effectivement, le temps et l'espace dans l'enseignement à distance permet un gain de temps. Je propose aussi, je lance aussi une idée. C'est une idée qui pourra être reprise à la fin de notre projet. Utiliser la collaboration grâce à Tuning, disons, dans le TwiSpace, pour des formations et pour une série de micro-formations dans nos différents établissements qui permettent une sorte de diffusion sous forme de virus, comme on le dit très souvent, mais surtout qui permettra de ne pas perdre ce qu'on fait et de relier tout le travail successif à ce moment initial. Voilà. Même pendant votre mobilité, vous pourrez très bien recueillir sous forme d'interviews, sous forme de petits podcasts, même avec vos portables, il y a des outils qui le permettent, des moments. Alors, petite vidéo, petit podcast, petit enregistrement. Ce qu'on demanderait à la suite de faire à nos élèves, parce que pour les élèves, par exemple, pour les élèves qui ont des problèmes de communication, pour des élèves avec des besoins éducatifs assez particuliers, la possibilité de travailler en asynchrone, c'est très souvent le déclic qui permet et qui permettra le travail de l'oral. Alors, pour créer des questionnaires, alors, Kahoot, Socrative, Google Form. Je me concentrerai sur Kahoot et Socrative. Pour la collaboration, Padlet et Framapad et TeamLink, qui est un outil très précieux parce qu'il permet de taguer avec des points chauds les images et insérer du son, du texte et des vidéos. Les discussions, les productions en asynchrone, VoiceThread et le blog. Les présentations, celles que je suis en train d'utiliser, Prezi, mais aussi les cartes mentales et les nuages de mots. Alors, Kahoot, je ne peux pas, je n'ai pas le temps de vous présenter tout.
Mais il faudra que chacun de vous cherche un peu sur la base de la curiosité qui sera réveillée, un peu stimulée ce soir par ce petit, très, très, très petit, cette petite présentation sur les outils. Par exemple, Kahoot. Kahoot est très ludique. Ça permet de créer des questions avec de la musique, avec des vidéos, et du type vrai-faux, du type test. Et c'est facile à utiliser. Les élèves peuvent le faire. Et ça pourra être aussi une manière de gérer la classe pour les classes difficiles. Essayez Kahoot avec des classes difficiles et vous verrez que ça donne vraiment le silence absolu. Alors, je vous ai mis le lien. Vous trouverez tout ce qui vous sert pour tester. Ils fonctionnent un peu tous de la même manière. Vous voyez les images, donc inutile que je vous montre. Il faudrait, par exemple, tester comment l'utiliser pour créer des tests de grammaire. Des quiz. Voilà. Mais Socrative, disons, est un peu plus complexe hein, par rapport à l'outil que je vous montrerai à la suite. Je ne peux pas descendre dans le détail parce que ça demanderait vraiment des heures et des heures de travail en ligne ou en présence. Mais j'espère que l'idée de pouvoir créer des questionnaires interactifs, des jeux et d'être créatif avec vos élèves, ça permettra à quelqu'un de vous, ça donnera l'envie de tester. J'insiste sur Kahoot parce que Kahoot est très simple. Kahoot.it et on crée sur Kahoot.com. On peut jouer, on joue avec des portables, on se connecte avec un avatar, ce que vous voulez, et on répond aux questions, voilà. On répond à un quiz, et il y a un temps que le prof décide, la personne qui crée le sondage décide, un temps qui, après, arrête la possibilité de à la suite duquel il faudra trouver la solution. Par exemple, des cartes mentales, etc. L'écriture collaborative, Simone est en train de partager avec vous en Google Drive. C'est le plus simple peut-être des outils. Il est très intéressant de l'utiliser par exemple, dans un projet tuning pour travailler avec les autres collègues, pour projeter, pour planifier le projet. De la même manière, les Google Slides, le PowerPoint de Google et disons le Google Chat, qui est qui correspond à la feuille de Microsoft. Il faut bien sûr avoir un accès à Google, donc à un compte Google. Qui ne connaît pas ces outils pourra suivre, disons, les conseils qui sont ici. Enfin, Framap. Framap, on l'a utilisé dans un projet pour écrire des histoires collaboratives en ligne.
C'est-à-dire que les élèves ont commencé un récit, les élèves d'une autre classe ont continué, les élèves d'une autre classe encore l'ont terminé, en se donnant un thème commun et un lexique ou un champ lexical commun. À quoi ça pourra nous servir dans ce projet? Évidemment, les gens, les personnes qui sont impliquées dans la même mobilité pourront l'utiliser pour travailler lors de du séjour. Padlet, c'est un mur. Vous avez une sorte de Padlet dans les pages du TeamSpace, un mur dans lequel on insère du son, on insère des images et du texte, avec une image ou une disposition particulière. Padlet est intéressant parce que pour les collègues qui enseignent au primaire ou avec des très jeunes élèves, on peut choisir le rendre public ou le garder uniquement secret. C'est intéressant pour le problème de la étiquette. Et on peut donner la permission aux collaborateurs d'écrire, de lire. On donne à chacun son rôle. On se connecte avec, comme vous le voyez, une adresse et on peut contribuer. Voilà l'outil dont je vous avais parlé. Il est très utile, je le vois très utile, soit pour la littérature, soit pour l'histoire, parce que imaginez une frise chronologique, on peut choisir des points chauds et il suffit d'insérer du texte ou d'autres images ou des vidéos et vous aurez une sorte de cours ou beaucoup plus un programme entier qui est résumé dans une image. Ça pourrait être intéressant pour votre carnet de bord par exemple, de prévoir une sorte de compte rendu sous forme d'image, de son et de texte à partir d'une image. C'est intéressant aussi d'inviter d'autres en partageant l'adresse Internet. Les participants peuvent contribuer. Et il y a aussi d'autres outils qui peuvent être intégrés dans le TeamSpace. Par exemple, celui-là permet de mettre en ligne plusieurs types de médias, images, vidéos, documents, Word, et ça peut prendre la forme d'un diaporama. Je reviens à l'idée de réfléchir à la manière de raconter la mobilité. Ce sera intéressant de raconter chacun sa manière, de ne pas créer comment dire, des carnets de bord qui soient uniquement des documents froids, je veux dire sans empathie, desquels on n'arrivera jamais à voir ce qui a été ressenti par vous, ce que les mobilités vous ont apporté. Les blogs peuvent également être utilisés, il y en a plusieurs, comme journal de bord. Je ne suis pas trop d'accord d'utiliser Facebook parce que là vraiment, mais il faut quand même savoir que ça existe. Les présentations ludiques par rapport à un diaporama PowerPoint, Prezi, celui-là. On y insère des vidéos, des textes, on peut le rendre public, on peut le partager. Et pour continuer, chacun de nous devrait être curieux de retrouver des outils qui expriment sa personnalité, son envie
Et surtout, sa créativité. Disons que l'objectif, c'était de vous présenter ce soir quelques idées. Cette petite heure n'a pas pu être exhaustive. Donc, je vous invite de rentrer dans le Twin Space, de retrouver le matériel et de choisir. Oui, vous ne voyez rien parce que j'ai interrompu le partage de l'écran. Et parce que je veux laisser quelques minutes pour l'interaction. Et en conclusion, je partage encore une dernière minute pour vous montrer à Daniela. OK. Daniela? Micro, c'est ça, vous m'entendez? Tu m'entends? Oui. Oh, très bien. Je suis en train. Non, c'est juste, j'ai levé la main trop tôt. Je n'ai pas attendu que tu termines de parler, mais c'était juste pour essayer de voir si on arrivait à bien entrer en contact. Et bon, non, rien. Tout simplement, je voulais dire bonsoir à tout le monde. Francesca à côté de moi, encore cet après-midi, elle n'est pas arrivée à se connecter. Probablement, c'est un problème lié à son portable. On ne sait pas, mais on est là et on t'a entendu et on voulait te remercier parce que ça a été très intéressant, surtout la présentation de tous les outils. Merci Daniel, à toi, parce que c'est à toi, c'est toi qui as tout permis, hein, parce que si tout cela se fait, c'est grâce à Daniel qui a mis en place, qui a eu l'idée de mettre en place ce projet qui est, à mon avis, qui est formidable, qui nous permet déjà, parce que la valeur de ce qu'on fait en ce moment, c'est de mettre ensemble et partager tous les profs de la Toscane. Jusqu'à présent, on était obligé de se voir et de partir et de se rendre physiquement à Firenze. Là, si on entre dans l'idée de travailler à distance, on pourra faire vraiment de grandes choses. On pourra beaucoup travailler ensemble, beaucoup plus par rapport à ce qu'on a fait maintenant, jusqu'à maintenant. Alors, je vous invite de rentrer dans le matériel après. Et dans le Twin Space, si j'ai encore une seconde, je voudrais vous. Non, je préfère ne. Non, à nous là. Vous trouverez une page dans le Twin Space. Et dans le Twin Space, Daniel, as-tu encore ton micro? Il faut Oui, que tu pardon, fermes. Oui. excuse-moi. Hein? Et il faudrait rentrer dans le Twin Space, vous trouvez des tâches. Et. La tâche, ce n'est pas un truc de prof qui donne des devoirs, mais c'est juste parce que si on n'arrive pas à le faire avant les mobilités et avant que le projet n'avance, on aura du mal après à travailler effectivement dans le projet, hein, parce que cette formation en ligne a été prévue dans une optique de, comment dire, d'entraînement. Et tout ce qu'on fait maintenant sera réutilisé après. Alors, c'est le moment de tester, de faire. Alors, je résume. Revoir la présentation avec les outils, choisir un outil, l'insérer après l'avoir préparé en suivant les informations et les tutoriels. Que je vous ai déjà envoyé et qui sont dans le Twin Space, l'insérer dans le forum qui est consacré à ce sujet-là, hein, donc qui est à la suite de ce webinaire de ce soir. Ne créez plus de pages parce que sinon on va avoir autant de pages que de collègues. Donc imaginez que ce soit dans une classe ou que quelqu'un évalue notre projet, ça va être vraiment n'importe quoi, c'est le chaos. Donc, j'effacerai les pages. Je n'ai pas voulu le faire avant, le dire avant. Les pages qui ont été créées, par exemple, il y a une page manipulée avec les unings et une photo. Alors, la photo doit être insérée dans le dossier apposite.
qui concerne la personne. Et si on veut tester, il y a un forum d'essai. Les autres forums sont consacrés à des sujets précis. Donc, essayer de choisir un outil, c'est la deuxième tâche. Et qui l'a déjà fait? Qui ne l'a pas encore fait? Je vous invite de travailler à la manipulation du profil. Par exemple, insérer l'image dans ce profil, créer un avatar. Vous trouverez un lien qui vous permettra de créer un avatar en ligne, inséré sur votre profil, si vous ne voulez pas mettre une photo. Et dans le profil, n'oubliez pas, peut-être c'est le cas de Francesca, de cocher la case qui dit je suis disponible à des projets tuning. Sinon, on n'aura pas la possibilité de vous inviter, soit dans ce projet, soit dans des collègues éventuels après dans d'autres projets. Grosso modo, j'ai terminé. J'aurais beaucoup beaucoup dit, j'aurais voulu dire plus sur les outils, mais c'est vraiment impossible avec ce peu de temps qu'on a. Et je vous laisse la parole. Ce serait intéressant d'avoir vos réactions, soit pour perdre, prendre la parole, et soit pour tester. Aucune main ne se lève. Et alors? Et alors, tout est clair? Donatella est en train de poser une question, peut-être? Donatella Tom? Alors, dans ce cas, j'essaie de partager encore un instant le Twin Space. Voilà. Sì, Marina, lo vediamo. Est-ce que vous voyez mon Twin Space? Grazie, Simona. Et alors, voilà les pages dont je vous avais parlé. Alors, je vous montre la page que j'effacerai. Manipuler celle de Bretagne. L'image est très belle, mais cette image aurait dû être insérée ici. Document. Album, créer un album image. Il y a déjà un album photographie, mais l'idéal serait de créer un album qui a le nom et le prénom de la personne qui l'a créé. C'est très important, hein, ça, parce que les images restent anonymes. Par exemple, celui-là est anonyme. Les vidéos également. Donc, ici, vous avez les pages qui sont consacrées à notre formation. La page qui est consacrée à la formation d'aujourd'hui a le webinaire numéro 2, Projet Zabbac, le PowerPoint. En cliquant ici, vous trouverez le Prezi. Et j'ai déjà résumé les consignes, les conseils et les tâches. Ce serait important d'essayer d'inviter quelqu'un d'autre, d'envoyer un message, d'ajouter une publication dans le forum. Et comme vous le voyez, j'ai lancé une discussion et c'est à la suite de la discussion que j'ai créée qu'il faudra insérer l'activité avec l'un des outils, au moins un, que je vous ai présenté ce soir. Enfin, pour les profs d'histoire,
Je trouve cet outil génial. Vous trouvez ici un truc qui s'appelle TikTok, et quelqu'un le connaît déjà peut-être. Il y a le tutoriel. C'est une frise chronologique interactive. Donc, intéressant de voir ça. Éventuellement, pour les profs d'histoire, intéressant aussi de l'utiliser pour pour la tâche. Je pense que pour le moment, ça suffit. 17h54. J'aurais beaucoup aimé de vous entendre, de savoir, par exemple, si vous avez quelque chose à dire, quelques questions. S'il n'y a rien, voilà, Françoise veut. Merci Françoise. Tu as le bel. Françoise, tu peux parler? Françoise? Tu as ton micro, ah non? T'arrives pas, Françoise? Il faut que tu cliques sur le micro. Ah non? Ou qu'il devienne vert. Quand il est vert, tu peux parler. Françoise. Bon. Je vois que Françoise a levé son bras pour parler, mais Françoise, je n'entends pas. Attendez, je cherche Marina, Françoise. la collega sta scrivendo qualcosa in chat, probabilmente. La vois pas. Ah, non ha il microfono. Françoise? Vedo. Elle n'arrive pas. Ah, si. Françoise, pas de micro. OK. Alors, si vous n'avez pas de commentaires, je vous dis au revoir et je dis un grand merci, un grand merci. Grazie mille à Simona qui a registrato, parce que moi j'étais trop concentrée. Grazie à Daniela. Vi invito veramente vivamente a non creare altre pagine, je vous le répète en italien. E di seguire, e ricordiamoci che quello che sarà valutato è anche come noi abbiamo lavorato, perché è il valore aggiunto del progetto. Non si, il, si, lavorare con l'etica è soprattutto lavorare in modo razionale, se no diventa dispersivo e praticamente si raggiunge l'effetto contrario. Je vous remercie. Stefano, ok. Stefano. Est-ce que vous Ok. m'entendez? Stéphane, tu veux parler? Oui, on m'entend? Bon, alors, Stéphane? je pose une question très rapide. J'ai pas très bien compris quand il faut poster l'activité que nous allons faire avec les tissés, les outils que tu nous as présentés. Est-ce qu'il faut que ça soit juste une activité comme ça, n'importe laquelle, facile, bête même, juste pour voir si on est capable de les outils, ou bien il faut que ce soit quelque chose de sérieux qu'on a déjà fait en classe, etc. Peut-être que tu l'as dit, mais moi j'ai pas entendu parce que enfin, il y avait un peu de problème à la maison. Stéphano, je l'écris même dans la page de webinaire, c'est que l'important dans cette phase-là, c'est de apprendre, disons. Alors, choisir un outil, si moi j'ai écrit une activité très très simple, juste parce que après vous puissiez éventuellement revenir sur cet outil et éventuellement le réutiliser. Si, par contre, quelqu'un parmi vous a déjà une idée et veut tester avec des élèves, tant mieux.
tant mieux, hein. Mais ce n'est pas dans l'optique de prof-élève, hein. C'est dans l'optique de. On essaie tous ensemble et puis on verra. L'idéal, ce serait de créer Alors, merci beaucoup. Alors, ça des fait vraiment discussions dans plaisir. lesquelles vous vous aidez à travailler avec un outil ou un autre. À toi. Alors, sinon, j'arrête ici. Hein, encore un grand merci à. Oui, Isabelle, il faut juste se concentrer. Oui. Et merci à tous. Merci encore à Simona, à Daniela, à.